Hello tout le monde, c'est Maestro, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la Carrière Manager avec le Real de Madrid. J'espère que vous allez bien. Les mecs, j'ai tourné au moins 2 épisodes. Le premier, c'était Celta Vigo, Inter et Valence. Malheureusement, ma manette, elle a complètement buggé, elle est complètement cassée. Bon, là, j'ai une autre manette, vous inquiétez pas. Mais elle est complètement cassée. Bref, du coup, j'ai commencé le match face à Celta Vigo. Ils ont marqué 1-0. J'ai simulé la fin du match parce que ça buggait trop. J'ai simulé les 3 autres matchs, mais quand j'ai voulu faire la vidéo, j'avais plus les rushs. Bref, là, j'ai retourné, juste avant, j'ai tourné une vidéo. Victoire 3-1 face à... Non, 2-2 face à Villarreal et 6-1 face au Shakhtar. En plus, Vinicius, il était trop en feu. Je vous jure que Vinicius, il était trop en feu. Il a mis un triplé. Mais j'ai trop le seum. Quand j'ai enregistré mon son, là, de ma voix avec le micro, j'ai appuyé 2 fois sur le bouton. Ça fait que ça a tout annulé. J'ai trop la rage. Mais bon, du coup, on va tourner cet épisode. Il y aura sûrement 4 matchs, donc face à l'Espagnol Barcelone, face à Bilbao, face à Athènes à l'extérieur et face à Barcelone. On va voir si Barcelone, je le fais dans cet épisode ou pas. En tout cas, on a 2 points d'avance en championnat sur Valence. Là, bonjour coach, t'inquiète pas Eden Hazard. Eden Hazard, je l'ai mis en confiance là, dans les 2 derniers matchs que j'ai fait, il a marqué. C'est carré, donc on commence à lui faire confiance. Tu as un bel avenir ici, Kamavinga aussi, je commence à le faire jouer, tout ça. Je commence à beaucoup le faire entrer en fin de match. Au niveau... Oh, Ansu Fati, il est parti à la Juve. Oh, purée. Bon, au niveau du mercato, vous m'avez conseillé dans le dernier épisode, Mahrez, Pogba, Mbappé, Kanté, Haaland. Donc voilà, on verra au mercato d'hiver ce qu'on va prendre, ce qu'on va pas prendre. Après, c'est des gros joueurs que vous m'avez conseillé, donc c'est chaud de tous les signer d'un coup. Là, on va jouer tout de suite face à l'Espagnol Barcelone. Je vais pas perdre plus de temps, j'en ai déjà perdu là, malheureusement. Purée! Là, la carrière, c'est un peu n'importe quoi avec le Real. Mais bon, vous inquiétez pas, ça va reprendre petit à petit. En plus, regardez, Vinicius, il est où Vinicius? Il a pas été appelé en sélection? Purée, il a pas été appelé. Ok, bon, bref, après, au niveau des jeunes, là, on va virer tous ceux qui sont en dessous de 85, 81, désolé, mais c'est pas assez, 81, c'est pas assez, moi, je veux que au-dessus de 86, voilà, ensuite, là, du coup, on a des nouveaux jeunes, 93, et lui, il peut venir, et 92, et 84, et 92, wesh, 92 aussi, 88, on prend, ah ouais, non, ok, là, j'ai trop dur, ouais, là, j'ai trop dur, je crois. Ouais, j'ai trop dur. Allez dans l'équipe. Oh là là, j'ai trop dur, les mecs. Oh, lui, faut le prendre, hein. Lui, faut le prendre. On va virer ceux qui ont en dessous de 86. Ah, mais s'il n'y a que lui. Attendez. Il n'y en a que un à 86. Désolé, mon gars, mais... Après, ici, là, 35. Ouais, 35. Ok, mais bon, oui, il faut le faire progresser, le minot, après, hein. 41 aussi. Tous ceux en dessous de 50 là, je vais les virer parce que les faire progresser comme ça de je sais pas combien de niveaux, c'est chaud quand même. Hein. C'est chaud. Désolé les mecs, voilà, hop, comme ça, ça fait de la place pour le Brésilien là. Ensuite, lui aussi, il peut venir en vrai. Après, le reste, c'est pas assez. Moi, je veux que du 90 minimum. Tac, et là, en Espagne, là, 93, ouais, tu peux venir toi. Et après le reste... Oh, lui, il peut venir. Après le reste, désolé, mais vous êtes un peu trop bas. Bon, c'est parti pour ce match face à l'Espagnol Barcelone. Donc, la compo, on va pas faire tourner parce qu'après, c'est la trêve hivernale. Donc, on va pas faire tourner. Si, en fait, on va faire tourner un peu. Par exemple, Kroos, il est fatigué. On va faire commencer Kamavinga. Voilà. Benzema, il est fatigué, mais bon, c'est pas grave. Vinicius, il est fatigué, mais... Je le veux dans l'équipe. On va faire jouer Rodrigo. Je ne l'ai pas encore fait jouer, je crois. Eden Hazard, on est en train de le mettre en confiance. Mais Rodrigo, je ne l'ai pas encore fait jouer. Donc, on va faire jouer Rodrigo. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc, c'est parti pour ce match face à l'Espagnol Barcelone. C'est parti. Ah, petit stade Espagnol Barcelone. Là, c'est carrément carré. C'est parti, les mecs, pour ce match. J'aurais dû changer les maillots, je pense. Nous mettre en bleu clair. Enfin, le vert bleu, là. Bon, c'est pas grave, c'est parti, ce match-là, il nous faut les 3 points. Nous, on va être champion d'Espagne et gagner la Ligue des Champions. Direction l'Espagne aujourd'hui avec une rencontre de la Liga Santander. L'Espagnol de Barcelone affronte le Real Madrid. Je suis sûr qu'on va avoir de bons moments dans cette rencontre. J'ai vraiment hâte que ça commence. Oh là là, l'occasion. Bon,
Bon. 1-0 pour l'Espagnol Barcelone. Ils nous ont taffé, ok. Je vois comment ils veulent jouer. Ok. Le Real va falloir se reprendre là. Va falloir se reprendre. Merci Vinicius. Wesh! Je joue contre qui là? Le Bayern ou l'Espagnol Barcelone? Je comprends pas. Merci Eder Militao, merci. Allez, contre-attaque de fou malade. Contre-attaque de fou malade. Quand c'est mené par Vinicius, c'est une contre-attaque de fou malade. Vinicius, je vous ai dit, il est en feu. Je vous ai dit, il va aller chercher son ballon. Wesh, l'arrêt du goal. Quoi? Bon, allez, David Alaba sur la tête de Karim Benzema. Karim Benzema, non, ok. Rodrigo. Ok, premier ballon de Rodrigo. Je crois que c'est son premier ballon avec moi. Tac, tac. Oh là là, dommage Rodrigo, dommage. C'est la mi-temps, on se fait dominer. On se fait dominer d'une manière. C'est incroyable. Ils ont 74 de possession. 74 de possession. Je ne sais pas s'ils jouent contre le Bayern ou contre le Barça ou contre l'Espagnol Barcelone. Je ne sais pas. Ils sont incroyablement forts. C'est dingue. Regardez, ils sont sur tous les duels, tout. Je comprends pas. I don't know. Merci Militao. C'est incroyable les mecs, c'est incroyable. On se fait. J'ai même pas le mot pour ce qu'on subit là. C'est incroyable. Incroyable. C'est pas possible. Ils sont. Mais c'est pas possible. Je vous jure que le match. C'est pas possible. On est médiocre. Ils sont trop forts. Je comprends pas. Non, pas de 3-0 quand même. Merci Courtois. C'est pas possible. Comment ils nous ont tués. Tués. Oh! Ils nous ont tués! Je vais pas en conférence de presse là. J'allume direct mes joueurs dans le vestiaire. Hein. Oh, 2-0 Espagnol Barcelone. On s'est fait dominer. Je sais pas si c'est là parce que là il y a la pré-saison, enfin la trêve hivernale là, enfin la trêve là. Je sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas, on a intérêt à se reprendre très très vite. Hein. Oh. Ils sont sérieux mes joueurs là. On s'est fait dominer. Et la Valence, ils passent premier. Ils sont un point devant nous là. Et Séville, ils sont égalité avec nous. Oh, le Canada, mais qu'est-ce que je m'en fous. J'ai pas envie d'entraîner le Canada. Je vous aime bien les Canadiens, mais j'ai pas envie. Ils sont sérieux là mes joueurs. Là on va jouer face à Bilbao. Ils sont 15e. 15e hein. On a intérêt à gagner. Après, on a un match quand? Dans 3 jours. Si on gagne pas ce match, hein. Si on le gagne pas. Hein. Ils verront. Inaki Williams, Garcia, Berenguer, Mounien, Garcia, Dembélé, Mdimber, nanana, De Marcos, Bercich, ok. Nous, on va partir avec cette équipe. Non, on va pas mettre Gareth Bale. On va mettre Eden Hazard. Allez, Eden Hazard, viens. On va te remettre en confiance. Voilà, on va repartir avec cette même équipe là. Les mecs, si on se refait dominer comme ça, je vous détruis. En plus, au Santiago Bernabéu, je vous détruis. N'importe lesquels, hein, le programme est alléchant. On se retrouve tout de suite pour le début du match ici à Santiago Bernabéu. Oh là là, le stade, il est magnifique. Hasta vamos. Allez, la dernière fois que j'ai vu ce tifo là, c'était contre le Shakhtar quand j'ai joué. Malheureusement, l'épisode, comme je vous ai dit, il avait bugué. Mais c'était contre Shakhtar et on les avait tués 6-1. Là, ils vont prendre leur part, eux aussi. Ils vont prendre leur part, moi, je vous le dis, moi. Il va tout seul, énorme occasion. Je ne sais pas si je dois m'énerver. 3 minutes de jeu ici au Santiago Bernabéu. On n'a même pas touché le ballon. Mais on se prend un but. Qu'est-ce qui se passe au Real de Madrid là? Hein? Qu'est-ce qui se passe? 1-0, Atlético Bilbao. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qui m'explique là? Oh, c'est quoi ça? Allez, le ballon en retrait.
Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au Real de Madrid? Oh! Oh! 2-0 à domicile, 16 minutes de jeu! Vous trouvez ça normal? On est où? Merci Vinicius Junior! Toi, t'es vraiment quelqu'un que j'aime! T'es vraiment quelqu'un que j'aime! Oui! Merci Toni Kroos, belle passe dans ses pieds, la prise de balle de Vinicius, ça fait très très mal, elle fait très très mal. 2-1, allez, on va chercher la victoire, je m'en fous. Oh, à domicile en plus, non, 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 la victoire à domicile. Allez, let's go. Bon, c'est la mi-temps, 2-1, on a su réduire l'écart là, merci Vinicius, hein. Merci, merci, merci. 2-1, Villarreal 1 partout, Séville 1 partout, Barça qui gagne. Donc Valence, pour l'instant, il stagne. Donc là, faut qu'on gagne, faut qu'on gagne. Comme ça, on repasse premier. Allez, s'il vous plaît, le Real, allez, c'est parti, vamos. Oh là 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 là, ça va être dur de le rattraper, Mounien. Merci, Casemiro, merci. Mais après, tu lui rends, Casemiro, après, tu lui rends. Ouais, c'est bien, allez, 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 Asensio, rentre à la place d'Eden Hazard. Il me saoule, Eden Hazard là. Il me saoule d'une manière. Oh là là, Asensio, toi aussi tu vas me saouler. Hors jeu, merci. Allez, là il reste 10 minutes, les mecs. 10 minutes, allez, au moins l'égalisation. On peut pas faire deux défaites quand même. Allez, oui, oui, Asensio. Oui, Asensio. Oui, Asensio. Oui, Asensio. Oh là là, mais Vinicius, tu te sens pas intéressé ou quoi? Oh là 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 là, mais c'est pas possible! Non, je peux pas sortir Vinicius, je peux pas le sortir. Il est trop important. Allez, allez, allez. Vinicius. Oh là là. Vinicius encore. Benzema. Mais Benzema applique ta remise. Oui, Modric. Casemiro. Non, Vini. Ouais, pas de prise de risque, ballon dégagé. Oh ouais, il vient tacler, mais ce n'est pas fini. Peut-être l'égalisation. Oui, 89e après tant d'acharnement, tant d'efforts. Tant merci Modric, le pressing. Merci Karim Benzema. La fin de frapper la Vinicius. 89e minute de jeu. Karim Benzema qui égalise, qui nous sauve de cette défaite. Il nous sauve, le meilleur buteur de la Liga BBVA. 8 buts en 8 matchs. Merci Karim Benzema. Merci. Oh oui, au moins, on ne partira pas sur une défaite dans ce match. C'est magnifique. Hein? Oh oui, oh oui. 2-2. Oh là 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 là, c'était dur, hein. C'était dur, c'était très très dur. C'était très très dur, mais on s'est accroché. Je ne voulais pas perdre, je ne voulais pas perdre. Merci Karim Benzema, merci à toute l'équipe. Le Barça qui a battu Valence, Séville qui a gagné. Oh là là, je crois que Séville, là, du coup, ils vont passer premier parce que... On était tous serrés. Donc là, ça va être chaud. En Ligue des Champions, on est bien. On a 2 matchs, 2 victoires. Donc ça, c'est carrément carré. Arribas, ouais, ok. Vous pouvez l'acheter, vous inquiétez pas. De toute façon, on a encore plein de pépites. On a encore plein de pépites qui arrivent là. Alors, maudite égalisation de Benzema. Ah là 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 là. Heureusement qu'il a égalisé. Heureusement, tout simplement. Athènes, ils avaient gagné un match quand même. Mince, non, je n'avais pas envie de faire ça. Ils avaient quand même... Pourquoi ça sort de la carrière, wesh? Oh là là! Mais dites pas que ça va pas sauvegarder un bail, hein, parce que là, sinon, on va se taper, je crois, FIFA. Hein. J'ai pas envie de... Oh, ça va faire 3 fois que je tourne, là. Oh. Voilà, merci. Donc, on va jouer face à Athènes tranquillement là-bas. Donc, on va aller en Grèce. Après, comme vous voyez là, il y a le match face à Barcelone. Il y a le match face à Barcelone. On va pas assister à la conférence de presse. Tac, Robert Lewandowski, Neymar, Vinicius, il est là, hein. Il est 8ème. Je vous ai dit, il avait mis au triplé. Neymar, Mbappé, ils ont l'air en feu, les deux, ils ont 3 buts. Incroyable. On va juste aller voir avant qu'est-ce que ça donne en Liga BBVA. Donc, voir rencontre, on est 4ème. Oh là 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 là, 4ème, Séville, premier, 2 points d'avance. Valence, Atlético de Madrid, ils sont égalité avec nous.
Ils sont le Barça? Ouais, le Barça, ils sont 13e, les mecs. Waouh! Le Barça, 13e. Titularisation, je tenais à vous informer que les dirigeants Real Saragosse nous avaient contactés. Apparemment, ils ne sont pas satisfaits du peu de temps de jeu dont Luis Carbonel a bénéficié pendant son prêt. Ils s'inquiètent du possible impact négatif sur sa progression. Ils suggèrent que nous revenons sur le prêt. S'il n'y a aucune solution, ils veulent nous prévoyons de lui proposer plus de temps de jeu dans un futur proche. C'est qui? C'est qui, lui? Carbonel, mais ils sont malades, lui, ou quoi? Si vous voulez, on vous le renvoie, votre Carbonel, hein. Lui, il voit, du coup, il peut partir, ouais, parce que vu que ça a quitté la carrière. Bon, là, c'est carrément carré. C'est parti pour ce match face à Athènes, les mecs. Tac, on va pas faire... on a deux jours du match face au Barça, mais bon. Vinicius, il va rester sur le terrain, Benzema aussi. On va faire jouer Bale, tiens, on va lui faire confiance. Le milieu, Modric, il est un tout petit peu fatigué. On va faire jouer Valverde, on va donner du temps de jeu. Fernand Mendy, il est fatigué. On va faire jouer notre petit Marcelo. Au niveau de la charnière centrale, ça va, ça va, ça va. Tout le reste, ça va. Ouais, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Tout va bien. Donc, on est parti pour ce match face à Athènes, les mecs. C'est parti. C'est parti pour ce match en Grèce, les mecs. Face à Athènes, du coup. Ah, gros stade, hein, gros stade, gros stade. Gros score aussi, on espère. Allez, le Real de Madrid, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Juste avant la réception. Ah non, juste avant d'aller à Barcelone. Faire le classico tant attendu, même si les classicos c'est plus la même ambiance qu'avant, hein. Il n'y a plus Ronaldo, il n'y a plus Messi. Au niveau du Barça, là, ils sont dans la crise, mais bon, ça reste un classico, donc il va falloir le gagner. Donc, mais d'abord, faut gagner ce match face à Athènes, et là, on est très très bien parti. Dommage, dommage, dommage. Ok. Carvajal, comment c'est possible, Carvajal? Comment c'est possible? Oh! Tous les matchs, on va se prendre un but. À tous les matchs. Tous les matchs, on va se prendre un but. 1-0 pour Athènes. Oh! Les mecs! Oh! On faut se réveiller. Non, sérieux, il y a un truc dans FIFA 22. Il y a un truc. Il y a un truc. D'où les Jordi savent dribbler comme ça? D'où? 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 Le Talek doublé. Le Talek. Le Talek. Oh! Comment ça se fait qu'ils savent dribbler comme ça? Hein? 2-0 encore. 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 Ça fait beaucoup. Merci Valverde. Merci Valverde. Merci. Quelle belle remontée du terrain. Et Karim Benzema qui égalise. Ça fait 2-1. Merci. Allez, 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 allez. On remonte ça là. C'est quoi ça? On va pas perdre face à Athènes. Hein. Oh, on est le Real de Madrid quand même. Oh là là, mais pourquoi il se met pas sur son pied gauche? Merde. Merci! Bien joué! Merci Casemiro, belle remise! Merci à tous les mecs! Merci! Wouah! Un peu de mentalité dans notre équipe là! Un peu de mentalité, un peu de beau jeu! Enfin! Merci! Un peu d'intelligence! Enfin! Merci! Merci Karim! Bien récupéré, bien joué! Allez, allez, avant la mi-temps, allez! Allez Vini! Merci Vini! Merci Benzema! Le capitaine Webé! Le capitaine, la légende du Real de Madrid! Merci! Merci! Enfin! Bien joué Vinicius! Bien joué l'équipe! Belle réaction ça! J'aime bien! J'aime bien cette mentalité! J'aime bien! Et Karim Benzema qui a inscrit son, attendez, son 4e but en Ligue des Champions en 3 matchs et le triplé en plus pour Karim Benzema! Merci les mecs! Merci! Au moins on rentre à la mi-temps avec le score positif! Et ça c'est bien! Ça, j'aime bien. Merci. Purée. Le PSG qui fait un partout. City qui fait un partout. Liverpool qui gagne 1-0. Dortmund qui fait un partout. Et l'Inter qui gagne 1-0. Purée, on est le match le plus attractif. Face à Athènes, quand même. On s'est pris 2 buts. Merde. Allez, on repart. Deuxième mi-temps. Je veux un 5-2 à la fin. Le Real Madrid affrontera le FC Barcelone à l'extérieur. C'est vraiment un match qui s'annonce ouvert, passionnant.
Comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'il y ait un trou comme ça dans la défense? Comment c'est possible? Merde, j'ai pas envie de crier là. Oh! Comment? Maintenant, faut encore aller marquer là. Merci Vini, merci. Oh là là, mais lui, la vitesse. Eh, mais lui. Eh, mais lui. Eh, mais lui. Mais non, mais pourquoi je fais une passe? Oui? Mais non, t'es mal, arrêt du goal. T'es mal, arrêt du goal. Gareth Bale. Purée, mais Gareth Bale, t'es pas un mec qui saute haut de base. Karim Benzema. Oui, Vini. Oui, Vini. Il progresse vers le but. Le centre en retrait. Bale. Bien joué. Vinicius Junior. Attention, ils peuvent prendre l'avantage. Oh, c'est pas possible! Allez, allez, Casemiro, s'il te plaît. Merci. Vini. 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 Vinicius, je vous l'ai dit, le futur Ballon d'Or, il est pour lui. Il est pour lui, le futur Ballon d'Or. Merci, Vinicius. Merci, merci. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est grand. Qu'est-ce qu'il est grand. Qu'est-ce qu'il est fort. Pied gauche, en plus. Pied gauche, hein. Pied gauche, les mecs. Pied gauche. Pied gauche. Mais oui, merci, Vinicius, qui marque son quatrième but en Ligue des Champions, là. C'est magnifique. Merci. Merci, c'est beau. Ah là 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 là, Carvajal, toi bientôt, toi à mon avis. Ah non, j'ai rien dit. Oh le bijou de Valverde. Oh le bijou. Oh le bijou. Oh le bijou. Oh le bijou. Oh là là, pied gauche, poum, poteau rentrant. Oh là là, merci Valverde, merci, tu marques des points petit, tu marques des points. Vous, toi et Kamavinga, c'est vous la relève façon mitard. C'est vous, hein. Personne d'autre, c'est vous deux. Je recruterai personne d'autre comme relève au mitard. Vous deux, vous êtes sûrs des titulaires, je vous le jure. Purée, c'est magnifique. Ok, merci. Oh là là, Karim Benzema. Oh là là, le contrôle. Oh là là, Valverde, Valverde, seul face au goal, qui va attendre Karim Benzema, il va l'attendre, la petite passe, c'est le but, ça fait 6-3 ici, Athènes en Grèce, quadruplé de Karim Benzema en Ligue des Champions, c'est tout simplement magnifique, merci Valverde, mais au début, là, déjà la passe cassée de Thibaut Courtois jusqu'à Karim Benzema, le contrôle orienté de Karim Benzema, qui lance Valverde, Valverde qui est seul, qui attend Benzema, oh non mais tout est magnifique là, allez, 6-3, c'est un match de malade mental là. 9 buts dans le match, 9. Bien joué Valverde. Eh, Valverde, il est vraiment fort. Hein. Valverde est vraiment on fire. Oh là là, mais Athènes, Athènes, ils sont complètement fous. Ils sont en ultra off là. Ils sont en ultra off. Le quadruplé pour Karim Benzema. Veuillez le respecter, messieurs. Veuillez le respecter. C'est Karim Benzema. Quadruplé en Ligue des Champions. Quadruplé en Ligue des Champions. Quadruplé en Ligue des Champions, les amis. Athènes, ils ont complètement craqué. Là, on va donner du temps à Kamavinga. Oui, Toni Kroos sort un peu. Oh là 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 là. Quadruplé de monsieur Karim Benzema. C'est incroyable. Athènes, ils sont en ultra off là, je crois. Donc, il y a encore de la place pour marquer. Bon, après, c'est à 89e. Donc, je pense pas qu'il y aura encore un but. Mais merci Athènes d'avoir craqué. 7-3. C'est un résultat de fou malade quand même. Parce qu'on est à Athènes quand même. Ok, nous, on peut mettre 7-0. Mais eux, les 3 buts, je pense pas qu'ils doivent les mettre de base. Mais bon, hop, on va essayer d'en mettre un autre. Oh là là. Oh, mais pourquoi ici? Vinicius y allait, Benzema il mettait son six, s'il te plaît, je vous le promets que là normalement. Oh là là, dommage. Bon, 7-3, on peut s'arrêter ici. On va pas aux conférences de presse, pas besoin de parler. Ils savent déjà, le PSG qui a gagné 4-3 face à Bruges. Ah ouais, vrai match aussi, hein. Vrai match aussi. Après le reste, j'ai pas eu le temps à part City qui ont fait encore un nul face à Leipzig. Je crois que City ils vont être éliminés de la Ligue des Champions là. Je crois. Bon les mecs, je suis gentil. On fait le match face au FC Barcelone. Ils sont 13e. Là, en championnat, il faut plus se poser de questions. Hein. Faut que gagner, là, faut que gagner. On a pris trop de retard déjà, donc faut que gagner. Dans le prochain épisode, ouais, il y aura 4 matchs, après 3, ouais. Ouais, c'est carré, en vrai, c'est carrément carré. De toute façon, là, en plus, il y aura les vacances, donc il y aura sûrement 2 épisodes par semaine.
on va aller en conférence de presse pour ce match face au FC Barcelone, parce que c'est quand même le classico là. On est attendu en conférence de presse. Le début de saison est loin d'être exceptionnel et le titre de champion semble s'éloigner. C'est vrai qu'il semble s'éloigner là, mais tout peut encore arriver. Tout peut encore arriver, vous inquiétez même pas. On va finir champion. Vous avez plié le match la dernière fois, bravo. S'en préoccupe, peu importe le moral. Ouais, peu importe le moral, on s'en fout. Barcelone, comment ils sont, nous, tout ce qu'on veut, c'est jouer au football. Et vous enchaînez les bons résultats, pensez-vous continuer ainsi? J'en suis sûr même. J'en suis sûr, mon gars. Voilà, merci, ça sera tout pour moi, grâce à ce... voilà. Donc là, match face au FC Barcelone, même s'ils sont 13e, ça reste un classico, ça reste le FC Barcelone, donc il va falloir respecter. En plus, il y a Coutinho et De Jong là dans le classement des meilleurs buteurs, vers le bas, je ne sais pas si vous avez vu. Là, il y a... ben, là, ils sont en haut, du coup, ok, bon, allez, on va jouer ce match. Dommage, il n'y a plus le Camp Nou dans FIFA, c'est dommage, ça aurait rajouté un peu de peps, mais bon. Pas grave, Coutinho, Depay, Dest, De Jong. Oh là, double De Jong. Busquets, Piqué, Dembélé. L'anglais, Neto. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait que Xavi là? Qu'est-ce qu'il fait? Notre équipe, elle est fatiguée, mais on est obligé de jouer avec le 11 titulaire là. C'est le classico. Donc c'est parti les mecs, classico. Oh là là. Les mecs, c'est vraiment dommage, il n'y a plus le Camp Nou. En fait, ils ont enlevé 4 étages du Camp Nou. C'est triste, en fait. C'est triste qu'ils soient plus dans FIFA. Mais bon, FC Barcelone, Real de Madrid, comme vous le savez, c'est un classico. Un classico, ça se perd pas, ça se gagne. Busquets, capitaine du Barça. Ah là 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 là, les mecs. Vinicius, il est là. Ouais, j'ai fait confiance à Bale, c'est vrai. Mais Vinicius, il est là, il est en dernier. Le meilleur joueur du Real, sûrement. Le meilleur joueur du Real. Benzema, quintuplé lors du dernier match, lui aussi, meilleur joueur du Real. En fait, les deux, ils sont incroyables. Notre équipe, elle est incroyable quand même. Même si des fois, on perd bêtement. On peut compter sur notre capitaine, Karim Benzema, qui a égalisé face à Bilbao. On le rappelle, à la 89e, là, le quintuplé. Donc, Ousmane Dembélé va vraiment jouer défenseur central, là. Non, j'espère que c'est une blague. Attendez, on va voir quand même les compos, là. On va attendre, mais c'est une... Oh là, Jordi Alba, il a mis des petites claques à Thibaut Courtois, là. Oh là là, Dembélé, Vinicius, c'est incroyable. Piqué, Jordi Alba, ouais, c'est incroyable, quand même. Hein. C'est dingue. On va juste voir la compo du Barça, quand même, ça m'inquiète. Si Dembélé, il joue vraiment défenseur central. Là, il y a Neto. Agüero sur le banc, en plus. Il joue vraiment défenseur central, Dembélé. Mais qu'est-ce qu'ils font, FIFA? Qu'est-ce qu'ils font? Coutinho, Dest, Depay, ok, tout est carrément carré. Je comprends pas ce qu'il fait au Barça, là, Dembélé. Hein. Défenseur central, Dest, ailier droit, encore ça va, parce qu'il a déjà joué. Mais bon, quand même, tu mets Dest, tu mets pas Dembélé, défenseur central. Il est vraiment défenseur central, regardez, il est là. Bon, nous, si on peut attaquer directement, là, et leur faire mal, on va leur faire mal direct. Bon, dommage. Allez, c'est parti pour ce match, les mecs. Les meilleures actions, c'est tout de suite. Ah là 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 là. Bien joué. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Bien joué, Vini. Oh là là, quand je vous dis qu'il va avoir le ballon d'or. Mon chouchou. C'est mon chouchou. Vinicius, incroyablement trop fort, les mecs. Il est vraiment incroyablement trop fort. Et en plus, il a même pas encore vraiment progressé. Il est qu'à 82 pour l'instant. Dites-vous, ce potentiel, je crois, il peut aller au-delà de 90. C'est... Oh là là, je sais pas où il va finir. Je sais pas comment il va finir. C'est un monstre. Vinicius. C'est un monstre. 6e but en 9 matchs en Liga BBVA. C'est un monstre, c'est tout simplement un monstre, 1-0 dans le classico là. Le Barça, on sent qu'ils sont en crise quand même, hein. Ils sont 13e, je vous le rappelle. Et ça se sent, ils sont pas, je sais pas, ils sont pas étincelants, on va dire. Sergio Busquets.
Coutinho. On cherche des solutions là. De Jong. Oh le but! Aïe aïe aïe, j'aurais pas dû parler peut-être, j'aurais pas dû parler parce que là ils ont fait une magnifique action. Ouais, magnifique action. De Bruyne, il a bien décalé De Jong. De Jong qui marque, qui est en pleine lucarne. Un partout, dans ce classico. Ok. Bon, je vais plus parler, on va agir, vous inquiétez même pas. 5 buts en 7 matchs pour De Jong, c'est quand même fort. Attention. Coutinho. Avec Memphis Depay. Oh là là. Le boulot qu'il a fait de paille là quand même. Mais oui Vini. Mais oui Vini. Alors Sergio Busquets, jamais de la vie il va te rattraper, c'est bon. Jamais de la vie. Oh là 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 là, il a couru tout le terrain. Tout le terrain. Si une accélération était aussi mythique là dans l'histoire du football, c'était cette Gareth Bale face au FC Barcelone justement. Mais là, Vinicius, il est parti de son terrain, le couloir, il était libre, libre. Incroyable vitesse de Vinicius qui a su conclure cette action. Pied gauche, doublé pour Vinicius, 2-1. C'est magnifique, on va le remporter ce classico. Allez les mecs. Bon, facile pour Thibaut Courtois. Ok, c'est la mi-temps. Donc... on gagne 2-1 grâce à un Vinicius en feu. Je vous ai dit, si Vinicius il est en feu comme ça, on pourra... on va tout le temps marquer, tout le temps. C'est parti pour la deuxième mi-temps de ce classico, les mecs. Qu'est-ce qu'il a fait ? Allez, il est passé face à son défenseur. Putain, j'ai fait le con, purée. Memphis Depay, buteur dans cette rencontre, deux partout ici. Ah là 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 là, on n'a pas le droit de se le prendre normalement, on n'a pas le droit. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Kun Agüero. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là, Coutinho qui nous a... moins de 18 ans. Oh là 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 là. Oh là là, regardez. Regardez comment il nous a humiliés. Aïe. Il va falloir rester sur ses appuis, Carvajal. Je sais pas si c'était toi. Mais mon gars, Belakato, ta place déjà, elle est pas... Ah là là, je crois qu'il va me falloir un défenseur droit, les mecs. Hein. Non. Mais non, 4-2 pour le Barcelone. Non, mais c'est pas vrai. C'est faux ce qui se passe, dites-moi que c'est faux. Dites-le-moi que c'est faux. 4-2 ici à Barcelone. Ils sont 13e, wesh. Mais qu'est-ce que je fais? Mais non, là c'est la 89e, mais non. Mais non, quand même pas 5-2. Ben ouais, quand même, respectez-moi. Mais non. Allez, Thibaut Courtois, c'est pour toi. C'est pour toi, Thibaut, c'est pour toi. Quoi? On se prend 5-2 là, coup. Quoi? 5-2 ici au Camp Nou. 5-2. Face au Barça. Classico, on se prend 5-2. Hein? Oh! 5-2 5 buts encaissés. On est quatrième là. Quatrième. Séville, ils prennent de l'avance. On est cinquième maintenant. Cinquième. Oh là 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 là. Dans le prochain épisode, les mecs, on a intérêt à se reprendre. Hein. Là, il y a deux défaites bêtes. Oh, Espagnol, Barcelone. Bilbao, le nul. Et là, oh, il n'y a qu'un contre Athènes. On a fait un bon match. Oh! Prochain épisode. On défonce Osasuna. On défonce Sebar. Et on défonce Athènes encore une fois. Et peut-être Real Vallecano là. Oui, je suis sérieux. Bon, on se retrouve pour le prochain épisode, la MIF. Mes nuits, c'est GTA. Demande à Antojo, il était là. Mes nuits, c'est GTA. Demande à Antojo, il était là. Il était là. Sur YouTube, sur Twitch, sur TikTok, il était là.